Hello, ladies and gentlemen, welcome to the Catapult Lockdown Virtual Salon Program. This afternoon, I'll be in discussion with Richard Victor Saint-Cily Cailliau from Guadeloupe. Before we begin, I'd like to express huge thanks to the Catapult partners, including the American Fans of Jamaica, Kingston Creative, and Fresh Milk, for making this series of salon happen. Please feel free to ask your questions in the comment section during the talk, which we get to in the question and answer segment of the salon. Welcome now, Richard Victor Saint-Cily Cailliau. Bienvenue, Richard Victor. Nous sommes Hello. heureux. Oh, great. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous. We're going to go in English and French and up and down. I make to start with a very small portrait of Richard Victor. Richard Victor is a multimedia visual artist. You were born, Richard Victor, in Guadeloupe in 1959. You graduate of Beaux-Arts in Paris, former student of Art Deco in Paris, and has studied photography at the American Parsons School of Photography and Art History at the Sorbonne. Since 1981 to 2018, you have been taking part of many exhibitions in France, Japan, Guadeloupe, Dominican Republic, Puerto Rico, Martinique, Senegal, Italy. In 2010, you received the Innovation Prize of the Art Triennale Contemporary of the Caribbean in Dominican Republic, right? And in 2017, the Installation Prize at the Biennale of Contemporary Art in Florence, Italy. Okay, so the last exhibit you had in Paris at Beaubourg, Gallery 24 Beaubourg in 2019, right? An installation as part of a collective institutional exhibition. Then at the end of April at the Havana Biennale in Cuba. In fact, your installation is still on in the Havana Rum Museum. Donc, we're going to start with you and with like a first slide of your work called Grand Cru. Slide number one of Grand Cru. Can we see slide number one of Grand Cru, Philippe? Yes. You know. Hello. So okay. Oh yeah. Hello. Hello. Over here we have in Grand Cru. This is like the latest version, Richard. This is 2.0, but I know you had like a precedent version 1.0 that you showed at the Biennale of Dakar in 2014. Can you just describe, let's talk about this piece, like it's one of your major pieces, you know, as well in your work. You said about this piece when you showed it at the Dakar Biennale. You said, with the return to African soil, precisely to Dakar, it is a way for me to bring back the souls of our ancestors by accompanying them to their homes of origins in order to put an end to the zombification that charged negatively in a certain collective unconscious, which is still too widespread. In this version, Richard Victor, we're having like in the work, it's a barrel of rum, you know, in a made position in a triangle structure, and with peaks in the barrel. Can you tell us a little more about it? We can see a blue light going on, which I mean refer to the sea and the meaning of the sea. Just tell us, you know, about this piece. Dis-nous un peu plus sur cette pièce, en fait, qui s'appelle Oui, Grand Cru. tout à fait. Donc la version que l'on vient de voir, c'est Grand Couillu, effectivement, comme tu l'as expliqué, 2.0. La version précédente a été réalisée à Dakar dans le cadre de la Biennale dont le thème était Produire le commun. Or, ce que nous avons de commun, nous Caribéens, en tout cas Afro-descendants et le Guadeloupéen que je suis, ce que nous avons de commun avec l'Afrique, avec... Attends, hold on. Oui. Attends. Pour translation, pour traduire, il faudra que je puisse s'arrêter pour que je puisse traduire. D'accord. For the OK. translation,
Richard is telling us about the theme was what we all have in common, right, for this piece that he made. And for him, as Caribbean, you know, what we have in common is the fact of the diaspora of the African diaspora, of being descendant of the African diaspora. Okay, you can keep on. Okay, vas-y. Mm-hmm. Oui, donc le commun en question, c'est notre histoire de l'esclavage, puisque nos origines en tant qu'afro-descendants sont de l'Afrique. So it's the history of slavery, you know, as being, you know, our ancestors being African. Yes. Mm-hmm. Oui. Voilà, donc j'ai voulu profiter de cette occasion, de ma première visite en Afrique, c'est la première fois où j'allais mettre les pieds sur le sol africain, pour ramener une symbolique forte de mon île. So it was the first time that Richard was going to Africa, to Senegal, exactly. So he wanted to bring back a very strong symbolic of his island. Mm-hmm. C'était une façon pour moi de ramener en quelque sorte les âmes de nos aïeux sur cette terre matrice. To bring back, okay, the soul of our ancestor, you know, to the land. Yeah, you're talking about zombification. This is like a very strong word about it. Le terme zombification que tu emploies est quand même très fort. Tu peux nous en dire plus, parce que est-ce que tu penses à la notion de aliénation ou à la notion vraiment de la zombification, psychologique, quand on sort du corps et que le corps est autre part que l'esprit, en fait? It's when Oui, les deux sont. Il y a une polysémie dans ce travail-là, et les deux sont acceptables dans la mesure où, effectivement, quand je parle des âmes de nos aïeux, il faut savoir qu'ils ont été, compte tenu de l'histoire, c'est comme si nous avions encore tous ces corps qui sont présents dans notre inconscient collectif. Il n'y a pas eu, je dirais, de sépulture, il n'y a pas eu de cérémonie. Donc, c'est comme si, en fait, les âmes hantaient, erraient. Donc, il y a une notion d'errance dans cet espace caribéen. OK, so what Richard was saying is that he's using zombification in a polysemic way, which regarding alienation, but mostly because the soul are being spread and lost, and in a sense, because of the history, they did not have like a sepulture, they did not have like a cemetery for them, in a sense, you know, they were the rituals going on with. So it's a way for them, for him, to give a true burying, you know, to the soul, you know, to put them back to where they belong. Okay, oui, Richard. And tell us more about this piece. Dis-nous en plus encore. Voilà, donc l'idée forte quand même, c'est que ces fûts, ces barils, représentent l'ancêtre des containers. Parce qu'il faut savoir que au départ, tout ce qui était produit par les esclaves partait en Europe à l'intérieur de ces fûts, qui étaient en fait le conteneur. Et donc il y a toute cette symbolique. Okay. Dans le commerce triangulaire. Okay, so this one barrel depicts, you know, the triangular, and it's, you know, about the economy going on that was leaving from the land, you know, to the island and vice versa. Okay, yes. So the barrel is like, it's all the work, I guess, also made of, you know, slave people, you know, in as resources, as production. And then I see the pigs in these barrels, you know, in these room barrels, you know, we can see very distinctly pigs going on. What it is, these grass pigs, you know, that we can see. On voit des pigs dans ces fûts. Que représentent-ils, ces pigs? Alors, il faut rappeler que la version que nous voyons n'est pas la version qui était à Dakar, tout d'abord. Sur la version de Dakar, il n'y avait pas les pigs, mais des visages, en fait, des portraits de masques africains représentant toutes les ethnies
qui ont peuplé la Caraïbe, qui venaient d'Afrique. Yoruba, Peul, let me say that quickly. What we're seeing here, it's the revised version of the piece Richard Shaw at the Dakar Biennale. Here it was at the Havana Biennale in 2019. In the Dakar version, we did not have the picks going on. Of course not, because we're getting back the soul, you know. But here we're having like the picks that configure something else. I mean, it's a revised versions, you know. So when it was at the Dakar Biennale, you had on the country the named all of the ethnic that were having enslaved in the Caribbean, correct? Alors, voilà. Et là, pour cette version justement de la Biennale de la Havane. Alors, juste avant, il faut rappeler que Grand Cru fait référence à un grand vin. Et les fûts en question rappellent les fûts de vin. Grand Cru, it refers to a Grand Cru, to an extremely good wine, like, you know, an exceptional wine, okay? Mm-hmm. Voilà. Donc, les masques en question, représentant les ethnies, pour moi, sont ceux qui ont fabriqué le rhum, donc ils méritaient que leur nom et que leur visage apparaissent. C'était ça l'idée. Yes. So the idea was to bring them names, to name them again, you know, in a sense. I understand very well. Yeah, to give them name, to identify, to name people, make them exist, as we know. Okay. And for this piece, so at the à la Havane de la Biennale, dis-nous un petit peu sur ces pics qui traversent les fûts, à quoi voilà. Ça réfère, parce que je vois qu'il y a quand même une conversation constante entre une tradition, si tu veux, de la peinture occidentale et avec d'autres, si tu veux, perceptions, avec la statuaire africaine, par exemple, enfin, oui. Ne serait-ce que pour citer celle-là. Donc voilà, so let us know a little more about this conversation you're doing often with the ancestral traditional painting from the Occident, you know, the Western world, and then with, you know, all the other continents, like the African continent, and sculpture and color, photography, you know, just to name these, yes? Mm-hmm. Oui. Alors, tout d'abord, Cuba n'est pas l'Afrique. Nous avons pratiquement la même histoire que Cuba. Pour l'Afrique, c'était le retour. Donc, les fûts ont pris un autre sens lorsqu'ils ont été sélectionnés pour la Biennale de Cuba. Il fallait que je repense le sens pour l'adapter à la réalité cubaine. Okay, so Cuba is not Senegal, and Richard is studying it, and he has to rethink the piece in order to adapt it for the Biennale of Havana. And particularly that the piece for Senegal was a return, so a return to the native land, in fact, you know. And for Cuba, they share history with us, mm-hmm. Kind of a same grounded history, you know, yes. Oui? Et la thématique à Cuba étant... construire ce qui est possible, construire la construction du possible, la construction des lots possibles. Okay. Et moi, j'ai pris le contre-pied, c'est construire ce qui, en fait, déconstruire ce qui semble impossible à déconstruire, c'est-à-dire la colonialité. The deconstruction of what seems impossible, which is the colonization, okay, or people who are being colonized, I mean, you know, okay. Yes. Mm-hmm. Oui. D'où les pics. Alors, les pics sur ces fûts veulent traduire toute la symbolique mm-hmm. de la souffrance présente dans l'espace caraïbe, dans l'exploitation, dans les plantations sucrières ou de coton. The pics are linked to the suffering that we had in the exploitation of people, of slavery, you know, but it would be sugar cane or cotton fields forever. Yes, you know. Mm-hmm. Yes, oui, oui. Voilà. Dans cette construction en pyramide qui rappelle toujours la symbolique de l'Afrique et la forme triangulaire qui est le bateau de la traversée, le bateau négrier, les containers représentent même par les esclaves que leur labeur, que le travail, le fruit de leur travail. So yes, yeah, so we're having the triangle that, you know, it's a node. Of course, to the triangle slavery, you know, the crossing going on, you know, and the barrel, which are objects, you know, represent, you know, what people were seen at only as object in a sense. Okay, I understand very well. And so you evoke this crossing, you know, and then the suffering going on, you know, and then you can see that
There is also a reference in Middle Ages, the question of the cabinet. There is a name for that, the cabinet pigs, you know, when people, and that we use also during slavery, when slaves try to flee and they were caught, like in maroons, you know. They used to be put in barrel like this with pigs inside, and they would be pushed. And I mean, you know, can you imagine the damage out of it, you know? So is you to refer aussi à ça, à l'époque, donc pendant le Moyen Âge, comment on utilisait ce qu'on appelle des armoires, des voilà, et ainsi que lors de la période de l'esclavage, pour punir les esclaves, en fait, on les mettait dedans, il y avait des pics qui traversaient donc la chair. Ok, donc, tout à fait. Donc c'est aussi cette traduction-là que nous avons. Enfin, donc des supplices, de la torture, quoi. Exactement, okay. C'est de la torture. It's showing the torture that all people, you know, have been going through. Okay, and the fact that, I have another question, there is also something with the African resource, with the voodoo practices, you know, with the pigs as well? Oui. Est-ce qu'on a aussi une référence avec le voodoo, les pratiques voodoo, avec les sources africaines? Oui, tout à fait. Donc, c'est dommage parce qu'on n'a pas toutes les images qui pourraient illustrer cela de manière parfaite, mais bon, je vais l'expliquer. Les pics qui sont de bronze, en tout cas de la couleur du matériau, le laiton, le bronze, utilisé durant le Moyen-Âge, mais en Occident d'une manière générale, dans tout ce qui est accessoires de décoration, dans la menuiserie. Okay, hold on. So voilà, the brass is a medium The brass was a medium used during the carpentry, you know, in the Middle Ages as well. Yeah, okay. Mm-hmm. Et vas-y, continue, oui, c'était juste. Voilà, donc c'est pour ça que les fûts sont traversés de ces pics pour rappeler effectivement l'origine de cette souffrance qui est affligée aux esclaves. Voilà. Le média rappelle aussi. La couleur du média rappelle aussi ça. Voilà, la matière et la couleur. Ce côté un peu, voilà, riche, noble. The medium is telling us again, you know, who wears the dominant. I mean, because there is in you, all in your work, you know, there is like from where we are speaking, d'où on parle. C'est très important dans ton travail. Et ton travail a un aspect engagé, évidemment, en même temps qu'il est anthropologique et social et historique, et de la mémoire, et de l'ordre aussi, qui touche aussi l'ordre de la mémoire. Ok, donc d'accord. Alors, we're going to go into slide 2, because I'm checking your time. Slide 2, so Philips, can we have slide 2, which is with the conch, Oh, yes, over here. Okay. So here we're having Richard musing Jeopardy number one, version one. We're going to see later on version two. It's interesting because you work in series, you know, basically. This work over here, donc we're having again this conch, again a pyramidal structure of conch. And in the background, you're having like portrait. Which is like a duplicate of iconic portrait of Napoleon Bonaparte, made by David, the painter David. Again, a classical reference, you know, of European painting, and there is a lot of things going on. Yes, I mean it's on the floor, not directly, a rounding surface with red lighting, and we're having something going on. It's like you have. You have transformed Napoleon Bonaparte with, he has horns and he has goat, we're having goat, how can I say that? Les pieds du bouc, en fait. Les pieds du bouc. C'est le démon. Yes. Le démon. Which is like very completely, c'est it is traditional pictorial to show the devil. I mean, to represent the devil, let's put it this way, yes. So he's back there, you know, a devil. Mm-hmm, yes. Tu peux nous en dire? Oui, bien sûr, nous t'écoutons. Mm-hmm.
Alors, c'est une installation composée de deux éléments principaux, effectivement, cette pyramide de Conques de Lamby et un tableau classique, néoclassique, représentant Napoléon Bonaparte, qui est en fait le héros français dans l'histoire de France, mais qui est pour nous le démon, puisque rétablissant l'esclavage en 1810. On peut dire qu'il y a deux histoires. C'est intéressant parce que dans ton travail, on retrouve beaucoup une multiplicité d'histoires et non une seule histoire, tu vois, d'un point de vue évidemment dominant, et qui fait que tu donnes à dire que ce n'est pas parce qu'il y a une histoire dominante qu'elle est légitime. It's not because there is like a dominant history that it is legitimate. And you're giving a multiplication, a multiply stories, different point of view. So although Napoleon was a hero for the French people, for us, from where we're standing, from the Caribbean and the French West Indies, he's been, let's say, like the devil. That's how you present it. Okay, yes. And again, we can see that you are playing with different history, but with different systems of representation. Tu joues encore avec des systèmes de représentation différents. Absolument. Alors, il faut comprendre que dans ma démarche, je thématise en fait systématiquement dans toutes mes œuvres sur la blessure coloniale. Ce que, pour reprendre un propos d'ailleurs de José Manuel Noseda, la blessure coloniale qui est latente dans tous les espaces caribéens. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que le sous-développement durable auquel on assiste dans les anciennes colonies, c'est dû effectivement à cette histoire chaotique. Okay, so this sustainable underdevelopment that we are being witness in our island is due to the colonization. That's what you're saying, right? Yes. Hello. Tu veux que... Hello. Can you hear me? Yes. Yeah, ce que tu veux dire quelque part, c'est que colonization, slave trade are the basis of today's sustainable underdevelopment, correct? Yes. C'est ce qui fait que nous sommes, pour toi, le sous-développement, c'est parce qu'il y a eu la traite des Noirs et la colonisation. Ça a créé un état de sous-développement. Voilà, le sous-développement généralisé dans l'ensemble des anciennes colonies ou des néocolonies, y compris dans les pays émergents de la Caraïbe, un peu partout dans le monde où il y a eu cet impact, où tous ces pays qui ont été impactés par la colonisation, on assiste effectivement à un certain nombre de problématiques qualifiées de sous-développement, tous ces pays qu'on appelle pays du tiers-monde. Mais la raison principale est justement l'exploitation des ressources de ces pays, mais aussi des humains, des aides, des peuples de ces pays qui sont là, cette conséquence-là. The exploitation of resources and human beings, that put us into an underdevelopment situation, context. OK, oui. Donc, dans cette œuvre précisément, effectivement, je mets en avant deux éléments d'histoire qui sont liés. Donc, puisque la conséquence trouve ses origines dans les mêmes raisons, les mêmes motifs à la base, il n'y a pas lieu de dissocier les conséquences. Par exemple, des événements tragiques qui ont eu lieu en Guadeloupe en mai 67 sont symbolisés par ces conques de Lamby, qui symbolisent aussi le massacre des Amérindiens. Deux situations différentes. Voilà. So the consequences of the colonization, and slavery, and also the genocide of the Native American, I mean, the Taínos, enfin, les Amérindiens, for us, okay, that there is also a fault within the representation of the conch. Tell us about the conch, la conque de Lamby même. Because the conch over here have many meanings in our islands, Guadeloupe, Martinique, and I think also other islands, the Caribbean. It is something that we found, for instance, in cemetery. You could have like the four conch, in the cemeteries that are often built close to the sea. So that's interesting because
we're getting back to the transmission and the resource. I mean, the meaning, the strength of the sea, of water, you know, the conch. And, but then with the maroon, the conch also plays another role, you know. It was for you, in which way do you view the conch in this piece? Comment tu vois la conque de l'ambi dans ta pièce aussi? Comme une arme, comme c'était un moyen de communication? Qu'est-ce que représente aussi? Il y a trois représentations. Je te le disais tout à l'heure, le lien que je fais entre le massacre des Amérindiens et les mesures punitives. Voilà. Et les mesures punitives. The genocide of the Amerindians. Mm-hmm. Hein? Ainsi que les mesures punitives pour lutter contre, effectivement, pour mettre un terme, en fait, aux revendications nationalistes modernes du monde contemporain. Oh, yeah. And the punitive modern rebellion or revendication that in Guadeloupe we had, exactly, so it was a way, you know, ou, used, okay. Mm-hmm. Ou la réponse aux tirs d'armes à feu de l'État, étaient des conques de l'ambi, c'est-à-dire on avait en face des fusils. Okay, et, so in Guadeloupe, it was in 1957, no, 1967, exactly. You're talking about. Oui, mai 1967. 1967, I mean, yes, exactly. And then you have in front of you colonialism right away with the gold and their arms, right? Weapons, you know. And then what the people had as weapon were conch to defend themselves, I guess, or to throw to the gods, to the police going on. Okay, so you can see there is like a gap in between these two weapons, you know, Mm-hmm. Yes, voilà. Yes. Donc, face à la répression, ce sont des conques de l'ambi qui ont servi d'armes aux manifestants. Okay, in front of the repression, of the punitive, what the activists had to respond were conch of l'ambi, of coming conch. Okay, wow. We're going to go on our third slide. We are called also Musing Jeopardy. Jeopardy, mm-hmm. Sorry, two, you know. So slide number three, I think. Quatre, cinq, yes. Slide number three, which is called Rebellious Here. And it was shown in France, in Paris, Beaubourg, La Galerie 24 à Beaubourg. And here we're having again, with the same title, Amusing Jeopardy, you play with that also, but it's in a different way. You have again a conversation going on with an iconic painting, traditional Western painting of the Christ and les apôtres, hein? But, and with other paintings also that we can see of Manet, of different like mainstream, also very important paintings of Western world. But the cross, there's something happened here, over here. The cross is black. The cross is you. It's a portrait of you, right, Richard? C'est un portrait de toi que nous avons, qui est le Christ. En fait, sur toutes ces images, je me suis positionné en tant qu'héritier rebelle. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, des chefs-d'œuvre vraiment connus au niveau mondial et qui représentent toujours le noir dans une posture subalterne ou carrément il est inexistant. Et j'ai voulu, à travers ces chefs-d'œuvre, positionner effectivement mon visage comme une démarche subversive. Okay, so it's a submersive work we're going on, as you know, you are like that. We're having masterpiece, European masterpiece, many European masterpiece. We're having like Le Déjeuner sur l'herbe, the picnic. In the herb over there. We're having the balcony of Manet as well, the death of Marat. And then you position yourself, Richard, into these paintings. But you're not in a subaltern position over there. You are completely a part of the painting.
Là, tu n'es pas dans une, le noir n'est pas dans une position subalterne. Il est non. vraiment positionné comme un parmi dans la scène. Il, est, hein, il fait partie vraiment de la scène. And so, you know, it makes me... Voilà, voilà, yeah. So you want to tell us a little more about it because it reminds me, you might know this piece regarding when I see the scene, the scène, la scène, the scène of René Cox, you know, it's called Your Mama's Last Supper, you know, but she's portrayed herself naked and, you know, and standing up, you know, and in this kind of gesture, you know. And so this piece of Leonardo da Vinci, I mean, you take, you know, of this masterpiece. Tell us a little the genesis of this work. What was the genesis of it? Quelle était la genèse de cette œuvre? Oui, alors au départ, j'ai voulu effectivement mettre mon visage sur des personnages célèbres. Je l'ai fait avec des sculptures. Donc j'ai pris des sculptures gréco-romaines très connues qu'on trouve dans l'espace public. Sur lesquels, je me suis positionné. Ça date de 2010. Et puis. Attends, stop. Just a minute. In 2010, you put you work on sculpture that you put your face, you know, on famous sculpture in the public area. It's a very actual work because, in a sense, with what had been going on with the stories of the statues, you know, and in fact, you know, you know, le déboulonnage des statues, oui. Quelque part. Tu es en plein dans l'actualité. En fait, avant cette actualité, ouais. Mm-hmm. C'est surprenant que nulle part, chez nous en tout cas, dans les anciennes colonies, ni en France d'ailleurs, il y avait de sculptures des grands hommes, de ceux qui se sont illustrés dans l'histoire. Je prends l'exemple, par exemple, on a Guillaume Le Thiers, ce grand peintre qui a été directeur de l'Académie royale à Médicis, ou encore Alexandre Dumas. Mm-hmm. Pourquoi on n'aurait pas ces sculptures immenses, monumentales dans l'espace public? Et cela à cette époque. Okay, let me just say that. Okay, the work of Richard, it's way before the unbolting of statues like we are witnessing today. You know, all over the world. You know, and as a matter of fact, you know, I'm not being chauvin of a nationalist, but in Martinique, we were like the first one doing it. You know, and with the unbolting of statues. And it's interesting because Richard already was very like, it's not bitter, but questioning with, you know, a pain, I guess, avec de la peine en même temps, de la souffrance et un peu d'amertume, enfin, une non-compréhension, and you were not able to comprehend why in France, as in Guadeloupe, in Martinique, and over the world, we did not have a representation of famous Black people, you know, because we do have, and you were taking the example. I don't know that. In Médicis, tu m'as dit que... Guillaume l'exemple. Voilà. Et aussi, par exemple, Dumas aussi. Alexandre Dumas, l'écrivain, the writer. Alexandre Dumas, you know, I'm the writer. It's interesting. You remember they did a movie of Alexandre Dumas and the actor was what? It was Depardieu. So you can see even a trouble to pick up, you know, I mean, you know, someone with... I mean, who is really colored. It's interesting to see that, how far it goes. But so you have this thing going on to replace, you know, Black people into masterpiece, Western masterpiece, but in a position, in a full position of human being, basically. In a position of human being, in a totality human being. So, and... it reminds me also the inheritors of Pierre Bourdieu, but it's in different ways. So there is like very artistic trope, you know, in your work, you know. Mm-hmm. It's engaging, you know, in a sense, it seems to me like you're asking for equality, justice, recognition, you know. Tu demandes en même temps dans ton travail une reconnaissance, une justice, une dignité, de la dignité, l'égalité aussi. Alors, pas tout à fait, ça te surprendrait, mais je ne suis pas dans une démarche de revendication, ni de prise en
honte de ce que nous sommes. C'est plus une dénonciation. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi de confirmer qu'il n'y a jamais eu cette intention de mettre en avant ceux des nôtres, entre guillemets. Mais je ne suis pas dans la démarche so you're placing... Okay, so it's not a revendication. It's more like you're placing yourself more as an offer in a sense. You are witnessing and you're making a denunciation of what's going on. What has been in the past up to today. Right, okay. We're going to get on our fourth slide, which is your last series, right, Richard. It's about vanity. Donc, la dernière série de Richard qui parle des vanitas, you know, vanité. But vanity, that's the title you gave. Because there is something wrong with the notion of vanity. May we have the slide? Yeah, it's coming. So you're going to see what it is about. It's head scars. That you, alors, tell us about how you made them. Comment tu travailles ton procédé, même technique, sur ce travail? Tu peux nous regarder sur cette image, Richard? Oui. Je suis parti donc déjà de l'idée que quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos origines, quelle que soit là d'où nous venons, nous allons finir de la même manière. C'est rien de nouveau en soi. Whatever our skin color, socially where we're coming from, culturally, I mean geographically, whatever. But we're all going to end the same way. I mean, like that. All right. Yeah. Mm-hmm. Oui. Voilà. Je suis parti donc du crâne. Le crâne qui symbolise l'être dans toute sa dimension en comparaison avec les animaux. Donc, la tête. La tête qui pense, puisque l'homme est un animal pensant. Donc, le cerveau. Okay, so it's about the head skull, which is like... I mean, what's the trace of the human being? Because we're having, like, compared to the animals, the fact of consciousness, you know, of thinking and being having conscience, a consciousness. Mm-hmm. That's what makes us be the status of being beings. Yes. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, de ces têtes que j'ai traitées avec plusieurs matériaux, ce sont des moulages, donc conçus d'abord en terre cuite, puis moulés dans des matériaux plus ou moins solide, plus ou moins fragile, donc le plâtre, matériau assez friable, le béton, la résine ou encore le métal. Donc, quelle que soit plaster, la durée résine, du matériau, quelle que soit la dureté du matériau utilisé pour fabriquer ce crâne, le principe c'est que tous vont finir, tous les êtres vont finir effectivement de la même façon, c'est-à-dire l'aspect, la vie elle-même trouve son terme avec la mort. So life of course gets its end with death, and in a sense, you know, how solid this head skull can be, they're going to vanish. They're going d'où to la, vanish. La notion de vanish. Okay. Voilà. D'où la notion de vanish. The vanity, but you did not choose vanitas or vanité, like the old age, the Dutch old age representation of nature morte, but you did vanity, and vanity means something else, correct? Oui, c'est-à-dire que vanity renvoie à ce fameux sac de la femme, vanity case. Donc, quelque part dedans, on trouve de tout. La femme, elle met toutes ces petites choses dedans. Et moi, je dis que, justement, nous transportons tout ce que nous avons, je dirais, tout ce que notre ADN fait de ce que nous sommes. Et quel que soit ce que nous sommes, finalement, à un moment donné, c'est le vide. Okay, so the vanity case, it is, you know, what women have makeup in it, I mean, everything in it, you know. Lipstick, I mean, everything could be in. So for Richard, it is everything that is being, we are inhabits, you know, within ourselves, in both ways, c'est-à-dire
génétiquement, c'est nature et culture, ou encore c'est acquis, l'acquis qu'on a eu, donc the things that we were born, our ADN, and what we've been learning, which is like culture and nature. Okay, yes. Okay, we are made out of that. I have a question. What is, I'm seeing this chance over there. We're having this chance like surrounding the head skull. On a ces chaînes qui entourent cette tête de crâne. Voilà, quelle est la référence, la position de ces chaînes? Qu'est-ce que symbolise alors? En fait, très souvent, on entend dire que l'esclavage s'est terminé et qu'il y a des gens qui, effectivement, ne sont pas sortis de l'esclavage puisque les chaînes ont été rompues sur les bras, sur les Pieds. pieds, mais sont encore dans la tête pour certains. Donc, ce Okay, vanity it's qui just est so you. avec la chaîne, c'est celui qui transporte son vanity avec ses chaînes. So you are denouncing the fact that even the chains have been cut regarding the hands or the feet, but deep down in our mind, I mean, you know, people are still chained. They are not completely unchained in a sense. Okay, so I guess we have to keep on going to be completely free, unchained. We're going to get on slide because after we're having, if you join us, we're going to have later on also the question and answer that you can write down for Richard. But we're going to get this last slide, and which is again a vanity. Okay, over here, exactly. And we have it colored in blue, beautiful blue clair, I guess, kind of on close to golden and gold and or terracotta kind of color and black. And tell us a little about what's going on over here. You're having these curls, they are painted, and at the same time we're having back, and I'm saying back because in a sense the peaks are there. They're not very, we're having peaks that are in the form of brass rods. We're having some kind of a crown. I figured out. This is like a melted crown. It's not like a very, it's a melted crown. Yeah, so what's going on here? If you give title like that, you said if noble blood gave blue bones, then black skulls would be red. I love it, you know. Hello, Richard, are you there? Oh, hello, Richard. You're showing us also. Okay. Tell us about it. Can you, we hear you, Richard? Oh, yes. Tell us about it. Tell us. Dis-nous ce que tu nous as montré. En fait, c'est la finalité, c'est la présentation finale de l'installation. L'ensemble de ces crânes est destiné à ce montage où on a un siège OK. royal avec le crâne bleu, donc le sang bleu, je l'expliquais, posé sur un coussin, donc un coussin qui a une charge symbolique aussi, le coussin royal. Sur le siège Okay, royal. so just a minute. So the head skulls that we've been seeing are going to be a part of an installation. And in this installation, this is what Richard is showing us, like his drawing going on. We're having like the chair, the armchair, like king's armchair, and then you're having big blue head skull in the middle, which represents the blue. I mean, le sang bleu, the blue blood, as we said, right? Yes. And then up front, we're having all these other head Alors, skulls. Et devant, on a cette accumulation de. on a deux gardiens ici, deux valets, OK, deux we have two guards. Yes. valets. Okay. Et ensuite, après, les esclaves, les opprimés, le And then peuple. we're having an accumulation of other skull heads and kind of the slaves, the oppressed people, I mean the dominated people, I mean there's again I guess this dialectic going on, domination and dominated. Yeah, so that basically
could I say in a sense, okay, yes. So that, yeah, tell us a little more about it. Anything you would like to add, you know. When are you going to show this piece? Quand est-ce que tu vas nous montrer cette pièce? Elle est prévue pour quand? Elle est prévue pour un événement précis ou... C'est une commande, Richard? Non, ce n'est pas une commande. Ce n'est pas une commande. C'est un travail que je fais sans objectif particulier, un peu comme toutes les autres créations que je réalise. Et puis, à l'occasion, en fonction des thématiques, des expositions qui se présentent, je sors ces créations. Voilà. Oui, c'est un travail qui se fait de toute façon dans le projet d'être montré à une occasion d'une exposition qui peut être nationale ou internationale. International. Voilà. So it's of course it's a work that is made, you know, in the goal of a display, you know, international or international exhibitions. All right. So maybe we can take some questions. If anyone would like, you know. So basically, I can say that you having history goes through everything, you know, oscillating between yesterday and today. In your work, the notion of time and existence. I'm making it a resume of what we've been going through, you know. We having also. I mean, you know, the question, the dark side, I can say that, of colonization, you know, and also the need for you to reach back to the African ancestors. I mean, you know, the denunciation of the slavery and colonization, and you know what we are today, you know, and the consequences of these events in our daily life, you know, of us as people, you know. And I can say also that you are very rocked by the masters of surrealism, of new figuration and new realism at the same time. And so you are engaged in anthropological social prism of expectation of art in the Caribbean. Alors, you really did in an early time regarding the unknown, the French West Indian history, you really put back from the exoticism that we had in the 80s and what we already interpellate, questioning, you know, these dimensions that we've been showing for your work. Depuis les années 80, tu as interpellé sur ces notions-là. C'était en avance parce que à cette époque-là, on avait quand même beaucoup d'artistes qui étaient très soft, qui n'étaient pas du tout dans une interpellation de ce type. On était plus bercés dans une sorte, entre guillemets, d'exotisme, qui n'est pas du tout ton cas, hein, au contraire. Donc, je pense que tu as été dans l'espace des Antilles françaises, un des premiers, si tu veux, à te positionner sur ce fait. Alors, voilà, donc... Okay, so do we have any question and answer? Is there is I don't see where it's writing. Let me check. Do we have, if there is any question and answer, Philippe? We're ready for any question and answer. If anyone has question or answer, I don't know if we. Richard, tu m'entends, Richard? Oui. Oui, je t'entends. Oui, vas-y. Oui, tu peux traduire. Voilà. Richard. Non, j'interpellais pour avoir des questions-réponses, mais moi, je ne vois pas de questions-réponses sur mon... Je suis sur petit écran, en fait. Est-ce qu'il y a des questions-réponses? Je vois une question. Adapting the same piece in a different location, as you did for the Havana and Dakar Biennale, must be interesting. Does the environment context change the way the work is installed? Je crains de ne pas trop bien saisir la question. Malheureusement, je ne vois pas les questions. Alors, attends, redis-moi, je vais traduire pour toi. Alors, mon anglais... Redis-moi juste le début de la question. Alors, adapting the same... Juste le début, j'ai... Oui. Oui.
in a different Ok, je location. crois qu'on veut te dire que les thèmes que tu as travaillés peuvent être adaptés à dans des locations, dans des endroits différents. Sur peut-être la question de l'environnement, c'est ce qu'on te dit, sur la question de l'environnement, je pense. Alors, c'est vers le bas. On peut avoir la question à nouveau? Alors, Philippe, on peut avoir la question? mon écran ne prend pas Ah, c'est ne prend pas dommage. les questions. C'est Je suis dommage. embêtée. Est-ce que tu peux traduire, avoir Mais je ne Google l'ai plus en là. traduction Je n'ai plus la simultanée? question. Réclame la Ah, question la question. à Christian. Philippe, Comment il s'appelle? Philippe. I'm sorry, we're trying the best we can in the English French and doing. Philippe, could you please show us again question because my Alors, screen is very voilà. small and I have a question myself. I cannot translate to it short, so he may have to make his own translation. So, maybe we're having here. Okay, adapt the same piece. Okay, adapting the same piece in a different occasion as you did for the Havana and Dakar Biennale may be interesting. Does the environment, okay, change the way the world. Est-ce que ça change pour toi l'endroit, le contexte, la façon dont tu vas adapter le travail? La pièce que tu as Absolument. montrée, par exemple, à la Biennale de Dakar ou à la Biennale de Havane, est-ce que ça change pour toi selon le lieu où tu vas l'adapter? Absolument. Absolument. D'ailleurs, je l'expliquais tout à l'heure, Dakar, c'est l'Afrique. As you said before. Voilà, c'est de là d'où nous venons, nous. D'accord? Nos aïeux, nos ancêtres. Dakar is Africa, is where we're coming from. Okay, we are coming from us. Voilà, donc je considère que c'est la matrice. Alors que la Cuba, Alors, yeah, you were saying Cuba, in a earlier. voilà, Cuba est un réceptacle, comme l'ont été, pardon, l'ensemble des pays de la Caraïbe. Tu m'entends? Cuba being like a land, receiving, like, yeah, je t'entends, like the other islands, the Caribbean, okay, yes. Donc, je ne pouvais pas traiter du retour, puisque le nom de l'œuvre, c'est Grand Cru, le retour. Et à Cuba, ça n'était pas le retour. Il n'y avait pas de retour, puisque Cuba et la Guadeloupe sont sur le même plan, je veux dire, en termes de lieu de réception des esclaves. So your installation change according to where it is being seen. Not only you adapt in the theme, but you adapt also the installation and the display. Okay, the way the work is installed. Okay. Okay, may we have another question? Oui, est-ce qu'il y aurait une autre question, Richard? Oui, il y a une question Est-ce que qui tu peux apparaît avoir une autre là-bas. question? Il y a une question, c'est écrit I was previously more familiar with your painting work, but I'm fascinated by the shift to sculpture Ah, ok, installation. alors. Je comprends là. Can you C'est tell bon, us ok. about this evolution in the work? Bon, alors, Ok. passer de la Alors, peinture oui, aux installations. alors, de ton évolution de ton travail de peinture aux installations, parce que c'est quand même très différent, même si on retrouve les thématiques Oui. de la blessure, de la trace, mais cependant, oui. Alors, quelle a Oui, été alors, l'évolution? Comment ça s'est fait? moi, je pense que c'est la nécessité de s'inscrire dans une contemporanéité qui m'a poussé à plus utiliser le langage de l'installation. Et puis, la peinture elle-même. Attends, alors, Oui. it is a necessity. Attends, hold on. Don't forget, I C'est la need to translate. nécessité. C'est la Okay, it nécessité is a d'une œuvre necessity to dans une subscribe écriture contemporaine. into a contemporary writing. Dans la mesure où Oui, okay. la peinture en tant que médium c'est tellement vieux, c'est tellement ancien et occidental qu'à travers la peinture, je ne pouvais pas, en tout cas, je ne trouvais pas la manière d'exprimer les réalités
que je vis aujourd'hui. So Richard is saying that through painting, such since painting is very like traditional pictorial medium, he could not find, the tools or the meaning, or he could not find his way to explain, you know, how he feels today, you know, regarding, what he wants to say, I mean, regarding his art. So installation came in a very naturally way, I guess, you know, present itself, you know, to you in a very natural way. Okay, oui. Mm-hmm. À travers la peinture, il y a le piège, je dirais, de la séduction par la technique, le côté, le tableau, la notion même du tableau qui est très occidental, quelque part me limite dans les dérives que je veux m'offrir à travers la manipulation de matériaux autres pour construire une installation. Okay, so kind you felt trapped into the medium of painting, in a sense, and going out of the painting, even the concept of the painting itself, you know, frame painting, I mean, you know, it's framed in a sense, you know, this frame, you jump out of it. The installation gives you the opportunity to be able to jump out. Yes, okay, I understand very well. We have 5 minutes left. Maybe we can take a last question. Il nous reste 5 minutes. Nous avons peut-être une dernière question que nous pouvons prendre. Alors, laisse-moi voir. Please, it's greeting. Your work is extremely impressive. Alors, who was your biggest influence? Alors, ton travail est très impressionnant, Richard. Les gens sont très heureux de le partager avec toi. Et quelle est ta plus grande influence? What words of advice you should share to young artists who are seeking to engage in multidisciplinary practice? Et quels sont tes conseils que tu pourrais donner à des jeunes artistes qui veulent s'engager dans la pratique multidisciplinaire? Alors, la première question, quelle est ta grande influence? What is your biggest influence? C'est une question très difficile puisque je ne fais pas partie de ceux qui ira s'intéresser à un artiste en particulier au point de puiser quelque part des éléments qui pourraient me plaire. Je suis vraiment assez diversifié, je dirais, dans mes goûts et dans mes choix, et je me laisse séduire par toutes sortes de travaux, je n'ai pas particulièrement un type d'œuvre ou un type d'artiste, une démarche qui nourrit ce que je fais. Très sincèrement, je regarde tout ce qui se fait au niveau contemporain. Voilà. Okay, to answer to the first question, I mean, you know, to the first part of the question, let's put it this way. Richard is saying that it's difficult for him because he's been looking up at everything and he doesn't have like one major master that would say that is his biggest influence, you know. He's very open-minded, you know, to everything that's going on, you know, abroad, okay. And for the second part, et pour la deuxième partie de la question, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes artistes qui pensent à ce type de pratique? Moi, je pense très sincèrement que l'important, c'est de se nourrir de tous les possibles, quel que soit le mode d'expression. Je continue à regarder de grands classiques parce que je pense que les fondamentaux, c'est important. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de ceux qui, dans la peinture, dans la sculpture, au niveau des installations et surtout au niveau de l'Afrique. Très sincèrement, je pense que j'ai découvert tard ce qu'on pouvait tirer de l'Afrique et je puis dire qu'il y a énormément de leçons à tirer de ce qui se passe en Afrique en matière de création. Richard is saying like to keep open-minded and he said that the fundamental
is keep looking at them, which are like the classical painting or sculptures that we've been picking up. But at the same time, it came very late in his life. This part of work of art based in the continent of Africa. And you were saying that it's being like, it came late in your work, you know, I mean, it's a discovery in a sense, you know. Il y a combien de temps que l'Afrique a commencé à rentrer dans la danse, dans, si tu veux, dans, dans ta construction visuelle? Ben, c'est lorsque j'ai fait mes études à Paris et que j'ai découvert véritablement l'Afrique à travers des cours d'anthropologie, d'ethnologie, lorsque j'étais en art visuel, en histoire de l'art, à Paris, Paris 1, la Sorbonne, les cours sur effectivement la statuaire africaine, sur l'art africain, je n'en savais rien. Je veux dire, compte tenu de la culture que nous avions et du programme scolaire que nous avions aux Antilles, ce sont des choses qui étaient totalement nouvelles pour moi. For toi. Alors, since now we are on time to end up the session, so just to let go, thank you again, Richard Victor, Saint-Cylie Mayol, we just heard. And remember to tune in again at 4 p.m. AST this afternoon, you know, for my discussion with Jamaican visual artist Johnny P. Gordon, you know. Again, we would like to say thank you, and I'd like to express huge thanks to the Catapult partners, including the American Funds of Jamaica, Kingston Creative, and Fresh Meal for making the series of salons happen. So thank you, Richard, and see you soon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Fresh Meal. Thank you. Thank you, Virtual Bye-bye. Salon, Bye-bye. Catapult, everybody. Thank Bye. You, Philippe. Yes. Thank you. Thank you, Annalie.